le Tour de France, c'est d'abord mon enfance. Quand j'étais gamin, j'adorais suivre le Tour, assister aux étapes. J'étais un passionné, comme beaucoup d'enfants. Mon grand rêve, c'était un jour de suivre une étape. Ça m'est arrivé, il a fallu attendre 1990 pour que je suive une étape. J'étais à ce moment-là membre du gouvernement et j'avais été invité comme ministre à suivre une étape à mon choix. Donc c'était, j'ai eu un moment de plaisir comme un enfant de suivre cette étape. Et depuis toujours, j'ai été passionné par le vélo. Et aujourd'hui, pour moi, comme président de la Bretagne, c'est un grand jour parce que le Tour part de Bretagne. Et la Bretagne, c'est une terre de cyclisme, c'est notre culture, le vélo, quoi, un peu. Le vélo se sent bien en Bretagne et la Bretagne se sent bien dans le vélo. Donc, et le Tour, c'est le summum. On a eu des grands champions, mais on a aussi beaucoup de pratiquants, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'amateurs, beaucoup de jeunes qui sont passionnés et qui vont se réjouir tout au long de ces 3 jours du passage du Tour dans notre région. Et je pratique un peu de mon côté quand je peux, mais assez souvent finalement, au moins une fois par semaine, en vacances un peu plus. J'ai 60 ans, donc je ne vais pas très vite, mais en tout cas, ça me permet de me conserver et de garder le moral.